Jérémy Grimm, 26 ans, milieu défensif. Qu'est-ce que les filles aiment chez toi? Très bonne question. Ça. Faut demander à madame. Plutôt Hollande ou Sarkozy? On va poser le petit joker là-dessus. On peut. C'est pas interdit. C'est pas courageux, mais on peut. Quel est le resto où tu vas plus souvent? Un resto où je vais plus souvent chez ma petite maman et chez la belle maman. Pourquoi? Parce que c'est moins cher? Pas du tout. Parce que c'est bon. Est-ce que tu cuisines un peu, Jérémy? Très très rarement. C'est plutôt madame qui fait tout ça ou les parents et vos parents qui sont. Est-ce que tu peux nous refaire les pouces en avant? Faut que je les fasse. Un petit. Allez, deux secondes. Les pouces en avant, les coudes en arrière, et tic-tac. Où est-ce que tu as appris ce truc-là? En fait, elle vient tout droit d'un petit village à côté de chez moi, donc. Essert, Bergheim, je crois. Bergheim, ouais. Où j'ai fait quelques petits tournois de foot. Et c'est là-bas où je l'ai appris justement. Donc c'était un peu entre guillemets l'hymne. C'était quoi, l'hymne du club village, ou... Ouais, du petit village, la fin du club. Donc c'est là-bas où je l'ai découvert. Donc voilà, je l'ai repris. En... Est-ce que tu l'as adapté ou est-ce que c'est le type d'origine ou est-ce que tu en rajoutes régulièrement parce que... Non, non, c'est tout à fait... C'est la version originale? C'est la version originale. Bon, c'est un peu long. Oui. Mais c'est drôle. Mais c'est drôle. C'est bien. Tu veux jouer à Colmar, c'est un passe-temps de cœur ou pas? Ouais, je pense. Oui. C'est-à-dire... Bah, ça va te revenir un peu durant ou... Durant la saison... Non, le jour du match. Le jour du match, ouais, à Colmar. Ouais. Ouais, après... Évidemment que ça va me faire quelque chose, enfin... Quelque chose de bizarre, mais bon, après, à voir. Hein. À voir le jour J, ce que... Ça va dire. Super, c'est bon? Impec?